זכרם של יונתן בן יצחק ואסתר סנדלר, שני ילדיהם, אריה בן אווה וגבריאל בן אווה, ומרים בת שרה ויעקב מוסודגו, השם ינקום דמם, ולעילוי נשמת נפתלי בן עישה ורחל ציפורה בת דינה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. Voilà, Tov. J'ai répondu tout à l'heure en disant on n'a pas à rester collé à l'information, je veux dire, on a. Nous aussi, on vit depuis 30 ans, 40 ans en Israël, et à chaque fois qu'il arrive quelque chose, nous sommes, comme on dit en hébreu, limoudé nisayon, c'est-à-dire nous sommes plus qu'expérimentés ici dans ce domaine. Et c'est vrai que naturellement, on est attiré par l'image comme si on allait nous montrer quelque chose de nouveau. En vérité, il suffit de prendre en fin de journée, au milieu de journée, et d'avoir plus ou moins l'information. Mais en général, il n'y a rien de nouveau après le gros boom quand il arrive. Voilà, normalement, l'Alvaya, c'est demain matin à Givat Shaul, d'après ce que j'ai entendu. Alors, voilà. Zéo. Nous, ce Shiur Torah, il est à leur mémoire, à la mémoire de tous les. De tous ceux qui ont quitté ce monde et qu'ils deviennent, on a l'habitude de dire, Meditzei Yosher, c'est-à-dire qu'ils deviennent les avocats de la défense pour le peuple d'Israël, celui qui est resté ici-bas. Alors, le sujet que j'ai mis sur les publicités qui sont parues dans les journaux et dans les publicités Internet, j'ai dit que le concept de liberté ne nous intéressait pas parce que tout le monde est d'accord sur le fait que le concept de liberté est important. Mais par contre, ce qui était d'autant plus important que le concept de liberté, c'était d'essayer de trouver des hommes libres. C'est de la même manière la différence qui pourrait exister entre la déclaration d'amour platonique et celui qui devrait être l'amant de son amour. Et je crois qu'aucun de nous, homme ou femme, nous ne supporterions très longtemps un amour simplement platonique. Mais il nous faudrait, aux uns et aux autres, essayer de voir cet amour se concrétiser, se réaliser, par des gestes, par des actes, par un comportement, etc., etc. Et quand je parle de la liberté, alors que nous sommes après Pourim et que nous sommes avant Pessah, j'aurais pu traiter du sujet de la sortie d'Égypte, qui est toujours aussi important, puisque le Maharal de Prague nous explique que si on veut comprendre la dernière délivrance d'Israël, il faut comprendre la première délivrance. Vous allez voir dans un instant pourquoi je dis cela, étant donné que pour connaître l'itinéraire d'une histoire, il faut avoir un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est la sortie d'Égypte, le point d'arrivée, c'est la délivrance. Mais j'ai pensé à une autre sortie, qui est celle-là, parce que j'enseigne les études tanachiques. Pour ceux qui ne savent pas, Tanakh c'est Bible, mais j'aime pas le mot Bible, parce que c'est un mauvais mot de traduction. Pour ceux qui ne savent pas, le mot Bible vient du grec biblos, qui veut dire le livre. Mais certains personnages malins voudraient nous dire que le mot Bible viendrait de l'araméen, du babylonien, de l'araméen, de Babel, de Bible, Bilboul. Et en vérité, au lieu de traduire par le livre, on devrait traduire par le confus. Alors le Tanakh, ce n'est pas quelque chose de confus, ce n'est pas simplement un livre, c'est un itinéraire qui nous emmène du début à la fin, à travers une histoire et un message qui est le message dont l'Éternel est son propre porte-parole durant quatre livres de la Torah, le cinquième c'est Moshe qui écrit, et le reste des livres qui se retrouvent dans les prophètes ou les hagiographes, ce sont ces prophètes, ces juges qui sont les porte-paroles de l'Éternel. Je vous ai dit le mois dernier que, comme moi, comme beaucoup de gens, nous avons fait 7 ans de yeshiva, certains 5 ans, 2 ans, 10 ans, l'homme chené. La matière principale, c'est d'étudier le Talmud. Mais quand j'ai fini 7 ans d'études, je suis resté avec mes questions. Puisque
le concept même de la conversation talmudique, de l'échange talmudique, et d'essayer de trouver une réponse à travers la question. Mais le Talmud ne donnera jamais la réponse. Il faudra attendre le Rambam, il faudra attendre les enfants de Rabbeinu Asher, les Baalei Tourim, il faudra attendre Rabbi Yosef Karo pour que la table soit dressée à Shulchan Aruch. Donc, on se rend bien compte que si le Talmud essentiellement est quelque chose qui vient aiguiser la question de la personne, il y a un livre qui par excellence est le livre de la réponse, et ce livre de la réponse, c'est le Tanakh. Et je le répète, et je le dis, et je le rabâche, parce que il y a, une étude qui peut être erronée si jamais nous ne sommes pas possesseurs de ce livre avant de partir à la découverte d'un autre livre, qu'il s'appelle Mishnah, qu'il s'appelle Gemara, que les deux ensemble s'appellent Talmud, le Zohar, la Halakha, etc., etc. Dans la Mishnah des Pirkei Avot, le sage, le Tana, vient et nous dit, dans l'évolution de l'individu, Ben Chamesh, la Mikra. La Mikra, c'est le Tana. Ben Esser, la Mishnah. Ben Chamesh Esrei, la Talmud. Et je peux vous assurer, et pourtant je ne suis pas un grand homme technique, je suis plutôt un intellectuel, mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez avancer. Et c'est malheureusement ce qui se passe depuis des centaines d'années. Sauf dans le monde sfaradi, où jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, le Tanakh faisait partie des matières principales étudiées, non pas à la yeshiva, parce que dans notre monde ça n'existait pas, mais au Beit HaMidrash, comme en langue arabe nous l'appelons Midrasa. Et dans ce Beit HaMidrash, bien sûr qu'on étudiait cela, mais quand les bases étaient ceci. Et je ne vous dis pas par hasard, et je veux que ça reste gravé dans votre mémoire, que si le Talmud est la question, la bonne question, la juste question, celle qui aiguise notre esprit, le Tanakh est la réponse. Et si on n'a pas étudié le Tanakh, il est très difficile de s'avancer dans le monde de l'histoire prononcée par l'Éternel sans se fourvoyer. Et sachez que durant 2000 ans d'exil, avec toute l'expansion intellectuelle, philosophique, nous nous sommes fourvoyés, et je veux vous emmener dans l'une des fois où, malgré ce que nous étions, eh bien nous nous sommes trompés, lourdement. Ça s'appelle la sortie de Perse, et non pas la sortie d'Égypte. Vous allez faire avec moi, pour ceux qui sont avec moi depuis un moment, c'est l'étude de l'histoire, l'étude de la philosophie, ça s'appelle l'historiosophie, les leçons de l'histoire. Je n'ai pas lu Pikudei Vayakel ce Shabbat, Shabbat Para Aduma, dont la Haftara Yecheskel au chapitre 36, parce que j'avais rien à faire ce jour-là. Je l'ai lu et on m'a demandé de la lire. Et on m'a demandé de rajouter cette haftara de Yecheskel dans un Shabbat qui, avant Rosh Chodesh Nissan, ce Shabbat, est parachat para, parce qu'il y a une raison. Il y a non seulement l'histoire qui nous est racontée, mais il y a les leçons de l'histoire. Top, c'est trop long, mais au fur et à mesure que je vous donne cours, vous commencez à apprendre et à découvrir et à reconnaître l'essentialité. Ce soir aussi, vous allez découvrir un monde à part entière. Et ce avec quoi nous allons commencer maintenant, c'est déjà quelque chose qui, s'il ne vous fait pas hérisser le poil, il faudra vous poser beaucoup de questions. Premièrement, je vous ai numéroté les choses, hein, comme je suis un prof, donc tout est numéroté. Alors, je suis prof parce que mes étudiants, ils m'appellent arabe, mais c'est parce que l'enseignant de Torah, que ce soit
Alors il est rare dans toutes les mihlalot, etc. Mais je suis prof et je ne suis pas rabbin. C'est-à-dire que je ne légifère pas. Elles veulent même, j'ai encore deux élèves, un garçon et une fille, on a été faire des teïmot dans un hôtel. Un rab, vous voulez nous faire la roupa? J'ai dit, je ne veux pas vous faire la roupa. Parce que je n'ai pas la smira de roupa avec Hidouch. Mon fils est né, il l'a passé aujourd'hui. Moi, non. Et moi, j'enseigne. Je suis là pour enseigner, pour former des individus, non seulement dans le contenant qu'ils sont, mais surtout pour y déposer un contenu qui leur permettra d'être consistant dans leur propre existence. C'est-à-dire, exemple, cet élève et cet élève, fille et garçon, qui vont se marier, mes amis rabbanim et rabbaniot vont les préparer aux lois de la pureté, et moi je vais les préparer aux leçons de l'histoire de l'amour. C'est-à-dire, c'est comment faire pour dire je t'aime, et qu'est-ce que veut dire je t'aime, et comment essayer, dans la rencontre d'un je et d'un tu, de construire le nous de notre histoire. Mais c'est-à-dire, je lis en premièrement. Quand vous ne comprenez pas en français ce que je dis, parce que j'ai un français, on dit, trop châtié, alors levez la main et demandez-moi, parce que j'ai des expressions des fois qui sont, on se demande d'où elles sortent, mais je vous assure, tout est dans le Larousse et le petit Robert. La seule chose, c'est que nous ne connaissons pas très très bien notre français, mais à part ça, c'est bécédé. Mais je ne fais pas exprès. Même quand j'écris, vous lisez dans les journaux, la presse, ou sur internet, c'est compliqué, c'est nachon, ça vient du cœur. Tov, ko amar koresh meler paras. Le livre que vous avez là, moi c'est mon troisième exemplaire, parce que les deux autres, ils sont dans un sale état, mais le premier, quand je l'ai reçu, c'est quand j'ai fini mes classes à l'armée, et j'en ai reçu un autre quand j'ai fini mais les classes d'officier, l'école d'officier, puisque je suis officier à l'armée israélienne, je suis capitaine, j'ai trois galons ici, et j'appartiens au service de réanimation héliportée, air terre-mer, de l'armée, je dépends de l'état-major d'Israël. Plus maintenant, puisque j'ai un cœur foutu, donc j'ai arrêté, mais c'était mon rôle. Ce tanar, lorsqu'on me l'a donné, j'ai pleuré, sans savoir exactement de quoi il en retournait. Sachez qu'il a un début et il a une fin. Pour venir vous voir, il fallait que je sache qu'il me fallait arriver Rechov Yitzhak Hakimi. Et il fallait que je sache que je sortais de Elone Mamre Bekirat Arba Hevron. En reliant les deux points, j'ai construit mon itinéraire. Si je vous demande comment commence ce livre, je crois que la majorité des Juifs me diront « Au commencement, l'Éternel, Bereshit, Bara, Elohim ». Je dis « C'est bien d'avoir son point de départ, pouvez-vous, ce que je fais avec mes étudiants bien entendu, pouvez-vous me dire quel est le point d'arrivée ?» Alors là, c'est la catastrophe. Le dernier mot, c'est Israël. Non, pas du tout. Laissez-moi jouer mon rôle d'enseignant. En tout cas, ce n'est pas Israël. Le dernier verset, c'est celui que vous avez. N'oubliez pas que nous sommes filmés et que ces cours qui sont filmés, que vous pouvez retrouver sur Internet, sont retransmis dans beaucoup d'endroits, entre autres dans certaines universités d'Afrique noire, en français, pour ces personnages qui veulent faire des études bibliques, à Abidjan par exemple. Vous pourrez retrouver le cours sur Internet, dans tous les domaines, dans tous les sites. Donc je lis. Donc le dernier verset du Tanakh, le point d'arrivée, chapitre 36, verset 23. Le premier, chapitre 1, verset 1, livre de la Genèse. Genèse Bereshit. Je vous lis maintenant la fin. Et dans un instant, je vous emmène au début. Je vous rappelle que notre fil d'Ariane, c'est de chercher où est l'homme libre. Le concept, le slogan « liberté » ne m'intéresse qu'à demi-mesure. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'homme qui réalise ce qu'il scande dans l'existence.
C'est bien, il a fait. Je lis, je traduis, et vous allez voir que Béhémet, dans un seul verset, comment le poil peut s'hérisser. Enfin, je vous donne mon avis à moi, mais moi j'ai un pan féminin énormément développé, hypertrophié dans ma nature d'homme, et donc c'est pour ça qu'en général, depuis 25 ans, j'enseigne à 80% les étudiantes et pratiquement jamais les hommes que j'ai trouvés, excusez-moi messieurs, mais toujours à rater les rendez-vous de l'histoire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est le mois dernier qu'on a fait « Est-ce que le Messie peut être une femme ?» C'est-à-dire, ça a dérangé beaucoup de gens, mais je suis bien content de déranger. Mais il est clair que lorsque j'aperçois Dvorah, Isha, Neviya, Eshet, Veshofetet, il m'est difficile de ne pas tirer des conclusions. Alors, Tov. Donc je lis. Koamar Koresh Mener Paras. Je préfère aller doucement. Je ne sais pas si on fera toute la feuille que je vous ai donnée, mais je préfère aller doucement et que vous ressentiez les choses et que vous compreniez les choses et que vous les, comment dire, les ingérer, les intégrer au plus profond de votre être. Koamar Koresh Mener Paras. Ainsi parla Cyrus, le roi de Perse, empereur de Perse. Kol Mamlachot Aretz Natani Adonai Elohe Shamaim. L'ensemble des royaumes, l'Éternel, Dieu me les a donnés, lui, le Dieu des cieux. Je vous rappelle qu'il est très difficile de lire si on n'approche pas, et ça rejoint ce que je vous disais, Ben Chamesh Lamikra, la charrue avant les bœufs, c'est les bœufs avant la charrue. Quand je lis... Celui qui m'a donné l'ensemble des royaumes, vous le savez, à Pourim on en a parlé, 127 royaumes, toute l'Asie mineure et l'Asie, jusqu'au fin fond de l'Inde et du Cachemire. 127 royaumes, celui qui m'a donné cela, c'est celui qui se mêle de l'histoire des hommes de par sa miséricorde. Il s'appelle Yud-Ke-Vav-Ke. Mais celui qui m'a octroyé les 127 royaumes à moi, Cyrus, par sa miséricorde, parce que partie prenante dans l'histoire des hommes, il est Elohe Hashamaim. Elohim, c'est le même, hein, mais qui transparaît de deux manières. Elohim, c'est pas Adonai. Adonai, c'est mon Seigneur. Omniprésent dans l'histoire des hommes. Elohim, c'est le créateur des lois immuables de la création. Que vous le vouliez ou non, demain matin, le soleil se lèvera. Et Cyrus dit, l'Éternel Dieu de miséricorde m'a accordé ces royaumes-là à moi, Cyrus, et il a fait en sorte de me les accorder pour que j'intervienne dans une histoire qui, elle, est immuable. Dans une histoire qui, elle, fait partie de l'immuabilité de l'histoire humaine. Quelle est, dans l'histoire, l'histoire immuable parmi les hommes? Israël. Netzar Israël, lo yeshaker ve lo yenachem. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Alors, on continue. Ve'u pakad alai livnot lo bayit. Et lui m'a ordonné de lui construire une maison, pas un trois pièces cuisine, salle de bain, c'est-à-dire un sanctuaire en vérité. Il faut faire attention, Baït ici, c'est un sanctuaire. Et où m'a-t-il demandé de lui construire un sanctuaire? Birushalayim, ma chère Biyouda. Et si tu m'avais dit Yerushalayim simplement, n'aurais-je pas pu penser qu'il s'agissait de Jérusalem en Judée? Non, mais je préfère te le dire. Car ils viendront des temps où certaines personnes pourront faire de leur bled ou de Babeloued des petites Jérusalem. Mais Jérusalem n'est et ne sera à tout jamais qu'en Judée. Ne vous en déplaise, mon Seigneur. Et même s'il y a 15 jours, on a inauguré à Crown Heights, Brooklyn, un musée avec un cotel virtuel, je suis désolé. Même ma femme, elle n'aurait jamais accepté mon amour virtuel. C'est en touchant à l'ontologie de la chose, à la réalité concrète,
Je n'aime pas par procuration. J'aime dans ce face-à-face, ou dans la rencontre des hommes, ou dans la rencontre de l'homme et de la femme, il va être question de conjugaison, d'où le mot conjugalité, dont l'origine est la conjugaison des je et des tu pour devenir. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, ça c'est la déclaration de Cyrus. Mi bachem bikol amo. Qui parmi vous fait partie de son peuple? La question de Cyrus, qui parmi vous se revendique comme étant son peuple? Hachem Elohav Imo, l'Éternel, créateur des lois immuables, est avec lui. Vous avez compris? Celui qui se reconnaîtra comme étant l'enfant reconnaissant celui qui est son père le reconnaîtra. Il n'y a qu'à la fin des temps, Veshiv levavot lebanim, levbanim laavotam. Mais normalement, levbanim laavotam. Alors il dit, si vous les enfants d'Israël reconnaissez l'Éternel, l'Éternel vous reconnaîtra. Et le dernier mot du Tanakh est un verbe. Vous savez pourquoi un verbe? Pourquoi le verbe est verbe? Parce que le verbe est action. Le verbe est action. Et le dernier mot, le dernier verbe du Tanakh, va ya'al, qu'il monte. Nous sommes ici en 537 avant l'ère grégorienne, avant J.C. Mais ça s'appelle le calendrier grégorien. En 537, celui qui va succéder à Cyrus est Assuérus. Et celui qui succédera à Assuérus est Darius. Cyrus, en 538, monte sur le trône. En 537, il déclare cela. Est-ce qu'il a eu un songe? Est-ce qu'il a eu une révélation? Comme on dit en anglais, je n'ai aucune idée. Avalom et Chané, il y a une déclaration qui sera d'ailleurs reprise dans le livre de Ezra, qui viendra 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 487, ce qu'on va à l'envers, hein, on est avant l'ère grégorienne, donc on va à l'envers, 537, 536, 535, c'est-à-dire, et à partir de 0, 1, 2, 3, 4, il y a fait. Et la déclaration ici est faite, et je vais essayer de vous dire, le décret de Cyrus et sa réalisation, qui va monter? Quels sont les gens qui vont répondre à l'appel de Cyrus? 49 000 hommes et femmes. C'est tout. Qui sont ces hommes et ces femmes qui répondent à l'appel de Cyrus? Ce sont une cerise gâtée sur le gâteau. Pourquoi une cerise gâtée sur le gâteau? Parce que tout n'est pas clair, les mariages mixtes, les mafionnaires, les prostituées, les gens comme ça, qui suivent, qui veulent sortir de cet exil de Perse. Mais à leur tête, ils ont deux personnages, Zorobabel, Yoshua, Josué est descendant du dernier grand prêtre du temple. Je vous rappelle qu'en 537, nous sommes combien d'années après la destruction du temple? 586, 537, 49 ans. C'est important tout ça. Regardez, vous vous rappelez en France, 1515, Marignan, machin, en 1300, et les dates et les noms. Pourquoi c'était important? Pour que vous connaissiez leur itinéraire. Le malheur, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes tombés au milieu. Nous ne connaissons ni cela, ni ceci. Et encore moins ceci qui est nous. On nous appelle le peuple du livre. C'est le livre le plus traduit au monde. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le plus édité au monde et le plus mal connu de son peuple. Mais si vous saviez combien c'est important, je ne sais même pas dans quelle langue le dire, et pourtant Dieu sait si je sais m'exprimer. Mais en hébreu, il y en a, et je fais la même chose avec les Israéliens, croyez-moi, je suis sans cadeau là-dessus. J'ai horreur de l'inconsistance de l'individu.
Et je peux vous assurer que quand je suis arrivé en Israël, j'avais des cheveux longs jusqu'ici, un diamant à l'oreille gauche, et j'avais 25 ans. Et mon histoire, elle a été racontée dans tous les journaux et la presse française, parce que je viens responsable d'un des partis d'extrême gauche française, et je suis revenu à Moshe. Ça s'appelait de Léon Trotsky à Moïse, dans le Nouvel Observateur, Le Point, L'Express, etc. Mais si vous découvrez quelque chose, soyez vrai avec votre découverte. Tu lui as déclaré ton amour, vis-le, mais vis-le pleinement. Et à tout jamais. Sinon, c'est quoi? L'expression sensitive d'une émotion gastro-entérologique? J'ai envie d'un morceau de viande. Je mangerais bien un millefeuille. Oui, mais ça, c'est pas la vie. C'est l'expression soudaine d'une émotion gustative. Mais ce n'est pas la réalité. Cyrus va donner l'ordre. Il leur dit que ceux qui se considèrent comme le peuple de l'Éternel, qu'ils montent. 49 000 montent. À leur tête, Zorobabel, qui est le petit-fils de Joachim. Joachim n'est pas le dernier roi du royaume de Judée. Il est l'avant-dernier, puisqu'il sera remplacé par Tzidkiyahou. Chez les pathos, on l'appelle Sédécias. C'est-à-dire, mais nous, les Hébreux, on l'appelle Tzidkiyahou. Et rappelez-vous toujours que les noms en hébreu ont un sens. C'est-à-dire, alors que le nom en français, tel que le mien a été auparavant, c'est un sens à sens unique, c'est-à-dire voix sans issue, pardon. Mais quand je m'appelle Roni, qui devient Majoie, c'est-à-dire Tzidkiyahou, c'est celui qui est le représentant de la justice divine. Isaïe ne veut rien dire, mais Yeshayahou, c'est le révélateur de la rédemption divine. C'est bien. Si tu t'appelles Dvorah, tu ne t'appelles pas Déborah. Ça n'existe pas, Déborah. C'est bien. Dvorah, c'est un autre sens. Ce n'est pas Rachel, c'est Rachel. C'est Karen Malassot. On peut déformer la réalité. Donc, ceux qui montent, montent avec Zorobabel et Yoshua. Un est le pouvoir spirituel, Yoshua. L'autre est le pouvoir temporel, c'est Zorobabel. 49 000. Ils vont mettre 4 mois. Ils vont partir en Nissan de 537. Ils arrivent en Tammuz. Ils arrivent en Judée, près de Jérusalem. 2 mois plus tard, le premier Tishré de 537, Yoshua construit un hôtel sur le mont Moria. Vous voyez bien ? Le mont Moria. Vous savez ce que c'est, le mont Moria ? Har HaMoria. Au-dessus du côté, là où il y a les deux mosquées, c'est Har HaMoria. Bon, je vais vous embêter un petit peu, mais je suis là pour ça, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Pourquoi ça s'appelle Har HaMoria? Quand l'Éternel dit à Abraham, la montagne que je t'indiquerai, etc., pour le sacrifice de Yitzhak, et cette montagne va s'appeler Har HaMoria. Qu'est-ce que c'est Moria en hébreu? Quelque chose avec Dieu. C'est la contraction de Moréia. L'Éternel enseigne. Si l'Éternel voulait nous faire sortir d'Égypte en 3 jours et faire rentrer en Eretz Israël en 3 jours par la bande de Gaza, où est-ce que la Torah devait être donnée? Point, fermez la parenthèse. Et donc il pose la pierre de l'autel au mois de Tishré 537, 7 mois plus tard, je ne sais pas, ça tombe vers Av 536, il pose la première pierre de l'édifice du temple de la maison. Pakad alay livnot lo bayit birushalayim macher biyuda. Il pose la première pierre. Ils n'iront pas plus loin que la première pierre en 536. Le temple ne recommencera à être construit qu'en 520, 16 ans plus tard. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. Entre-temps, il y a 2 causes extérieures. Regardez comment les leçons de l'histoire sont importantes. Les gens, ils sont là. Mais pourquoi les Arabes, ils nous embêtent? Et pourquoi les Arabes, ils sont méchants? Et pourquoi ceci? Il y a Bruns qui avait étudié. Tu saurais pourquoi les Arabes, ils sont méchants? Et que peut-être le problème, c'est pas le problème, c'est pas les Arabes. Peut-être que le problème, c'est toi. Alors, on va voir. 2 causes extérieures. La première, elle vient des Juifs qui sont restés en Judée. Nabucodonosor, lorsqu'il a déporté Israël, la plèbe, il l'a laissée présente en Judée.
Qu'est-ce que ça veut dire la plèbe? Les petites gens. Il a déporté que la nomenclature. Il a fait. Nabucodonosor a été renversé, la Perse est devenue propriétaire de la Judée, mais Nabucodonosor, pour conquérir ces territoires, il faisait ce qu'on appelle des échanges de population, les transferts de population. Et il a amené des personnages de toutes les contrées d'Asie mineure qui vont prendre le nom de la région où il les a amenés. Cette région s'appelle la Samarie, ils vont devenir les Chomronim. En français, les Samaritains. Les Samaritains, quand les Perses vont prendre le pouvoir, vont s'infiltrer à l'intérieur de la Judée. Vous savez que les Samaritains ont pris la Torah, le texte, le parchemin de la Torah, et ils ont, examiné le sujet à leur manière, à eux. Et alors maintenant, quand les Judéens, ceux qui habitaient la Perse, les Juifs qui arrivent de Perse, avec Yoshua Zerovabel, ils vont être contrés par deux forces. La plèbe juive, qui ne veut pas de ceux-là, qui viennent les déranger. On ne veut pas de ces gens qui viennent reconstruire le temple, essayer, vous rendez compte, demain on va être souverain, on va devenir un État, il nous faudra une armée. C'est trop compliqué. Alors ils n'en veulent pas. Et ils vont prêter main forte aux Samaritains qui, eux, vont devenir les terroristes de 536 à 520. À 516, 520. Ils vont, ben, d'ailleurs, d'où vient l'image d'Épinal, du juif avec l'épée ceinte à son rein et sa truelle dans l'autre main, de cette période-là? Parce que alors qu'ils voulaient construire le temple, ils étaient agressés continuellement par les hordes sauvages des Samaritains qui menaient de véritables attaques terroristes afin d'empêcher Israël de construire le temple. Et bien avant cela, au bout de 7-8 ans, ils vont se rendre compte que leurs actes terroristes sont absolument impossibles. Ils vont entamer des négociations géopolitiques avec le pouvoir central de Suse, Persépolis certainement, afin d'essayer de contrer l'avancée de ces nouveaux juifs avec leur temple. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Je ne vous pose pas la question, parce que malheureusement, dans la plupart des cas, on oublie de préciser. Avec Yoshua et Zerubbabel, parmi les 49 000 juifs qui descendent, qui montent en Eretz Israël, il y a un bonhomme qui n'est pas célèbre, qui est un oligarque, un technocrate des allées du pouvoir perse, et qui a demandé l'autorisation à Cyrus de se joindre aux 49 000, parce que ça fait quand même 63 ans qu'il est exilé en Babylonie. Ce monsieur, il a un nom complètement inconnu. Il s'appelle Mordechai. Et lorsque les Samaritains vont engager un véritable terrorisme d'État dans des négociations politiques dans Camp David de l'époque, avec le pouvoir perse, Cyrus est mort, Assuérus est monté au pouvoir. Et Zerubbabel et Yoshua nomment Mordechai à la tête d'une délégation pour Suse afin d'essayer de permettre au décret de Cyrus d'être réalisable. Et c'est comme ça que Mordechai se retrouve à Suse, et que l'histoire que vous connaissez ensuite. Mais sachez simplement que toute l'histoire de Pourim, lorsque Haman vient voir Achashverosh et lui dire « Il y a un peuple étranger qui ne suit pas tes lois, etc. » C'est de ça dont il parle. L'histoire de Pourim est intrinsèquement liée à la reconstruction du temple de par le décret Cyrus. Et pas d'un problème persan. Avec un S. Vous vous rendez compte combien c'est important de voir les choses? Rendez-vous compte aussi qu'à Pourim, vous auriez dû vous poser la question. Mais à Pourim, on n'a pas dit le Hallel. Et à Hanouka, on a dit le Hallel. Et pourquoi Eifa ve Eifa? Pourquoi la oui et la non? Ou plutôt la non et la oui.
La Megillah, le traité de Megillah dans le Talmud de Babylone, page 14 recto, elle vient et nous dit, parce que le miracle de Hanouka, il nous a redonné la liberté, la souveraineté en Eretz Israël, Anachnu Modim Lachem, Aval, nous avons été sauvés de la mort à Babel, en Perse, mais nous ne sommes pas sortis de l'esclavage, de la servitude, et donc pas de Hallel. Avde Ahasverosh Anan, nous sommes restés les serviteurs de Ahasverosh. Vous comprenez? Et tout le processus de Purim tourne autour, d'ailleurs, dès que Assyrus mourra, son fils, qui est le fils de Esther, Darius Ier, quand il monte au pouvoir, c'est en 521, et maintenant vous savez pourquoi en 520, on reprend la construction. C'est qu'un an après que Darius monte au pouvoir, il rétablit le décret Cyrus, et on construit le temple, où là vont rejoindre ceux qui sont déjà présents, des prophètes comme Haggai, Malachi, Zecharia, qui appartiennent à un livre qui s'appelle Tréhassar, les 12 petits prophètes, et quelques années plus tard, Ezra et Néhémia, qui eux ont un livre à part entière chacun. Yafé Méod, je vous ai fait un grand tableau historique, mais où les leçons, elles sont extraordinaires. Darius de Villester. Donc, imaginez simplement que quand mon avion a atterri le 12 juillet 1979, je ne savais même pas dire shalom. Et je ne connaissais rien, ni à vous d'ailleurs, même pas vous, je ne vous connaissais même pas, puisque je ne vous ai jamais fréquenté. Ni vous, ni vos filles, ni vos fils, personne, vous ne m'intéressiez pas. Par contre, la révolution universelle, qu'elle m'intéressait, celle-là, d'essayer de faire de l'humanité un monde meilleur, ça m'intéressait. Il y a fait, quand j'ai présenté tout ça au numéro 2, j'ai vraiment essayé de faire doucement pour vous présenter les choses. Vous avez vu une idée de comment nous sommes arrivés à Purim. Je vous ai fait tout le dégradé de l'histoire et des leçons de cette histoire. Et au numéro 2, je vous ai marqué Bereshit. Parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant du dernier passage. C'est dans les Chroniques 2. Vous vous rappellerez, Divrei Hayamim, Bet. Divrei Hayamim, ce sont les Chroniques. Ce qu'on raconte, ce qu'on relate. Je vous ai dit que ça passait aussi à Abidjan, etc. Vous avez reçu une délégation là-bas, dont la ministre d'Éducation nationale. Et alors, elle descend, là où j'habite, devant chez moi, c'est Elon et Mamre, le Brit Ben Abetarim, l'Alliance. D'ailleurs, on essaye de monter un groupe ici, je crois, avec Ruth, Betty, etc., pour que vous puissiez venir passer un Shabbat et vivre à l'origine de l'Alliance. Je ne suis pas en Israël parce qu'il y a eu la Shoah. Je suis en Israël parce que je suis l'enfant de l'Alliance. C'est complètement différent, c'est vrai. Et je la mets là-bas. Et je vois là, elle était enfin, toutes les femmes là-bas, les conseillères et les ministres et machin, elles sont en habits folkloriques. Et je finis de parler, elle éclate en sanglots. Et je lui dis, pourquoi vous pleurez, vous ça? Vous avez appris quelque chose, mais bon, vous n'êtes pas concernés, quoi. Elle dit, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom, le président de la fac de l'université d'Abidjan, il a introduit l'étude de la langue hébraïque et les études bibliques à l'université d'Abidjan. Et donc, nous étudions la Bible. Et il dit, vous ne rendez pas compte ce que vous nous avez raconté par rapport à l'Alliance. Quand vous y viendrez, je vous le raconterai, donc je ne vous dévoile pas tout. Mais elle a pleuré. Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit, pour nous, vous n'avez pas compris, depuis que nous avons atterri à Lod, et avec vous qui clôturez notre voyage, on vient de comprendre qu'il y a Divrei Hayamim Gimel, Chronique 3, et que vous êtes les nouveaux acteurs de l'histoire biblique. Elle est goy complètement. Alvay alenu. Alvay alenu. Je vous rappelle que Joseph Kessel, au moment de la déclaration de l'indépendance d'État d'Israël, en 14 mai 48, quand il est il retransmet la déclaration à l'ancêtre d'Europe 1, Radio France, et il dit, je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Vous vous rendez compte? C'est malé mashmaout, c'est plein de sens. On a parlé de la fin, le début. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz.
Je ne vais pas vous demander de le lire parce que le temps il avance très vite, mais je vous dis ce qui est marqué. Ceux qui veulent le lire, les feuilles elles sont pour vous. Hein. Bereshit, est-ce que Rashi, qui est le plus grand des commentateurs, vient et se préoccupe de comment Dieu a créé les astres et les étoiles, les cieux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas? Pas du tout. Il a une question. Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak lo yatzar la tri la Torah ela miachodesh hazeh lachem. Rashi, il a trouvé qu'une seule question dans sa grosse tête. Pourquoi tu commences la Torah, un livre de loi, par un livre qui n'est pas un livre de loi? Et pourquoi ne commences-tu pas par le livre de la loi, qui lui commence au livre de Shemot, Parashat Bo, c'est-à-dire 26 générations plus tard? C'est une bonne question. Au moins on voit qu'il a lu. Juste, je vous fais une parenthèse. Le livre de Bereshit, il n'y a aucune loi. Les lois commencent au Sefer Shemot avec un Chodesh Hazé Lachem, Iye Rosh Chodashim. La première mitzvah, elle est donnée à une nation, à un peuple. La loi d'Israël concerne le peuple d'Israël. Nous être retrouvés comme des individus, des communautés ou des tribus séparées, ce sont les malversations de notre histoire. Mais dans l'origine de l'histoire, et Pharaon le premier le reconnaît, vous vous rappelez, dans le Sefer Shemot, Parashat Bo, dans Shemot, pardon, le Pharaon dit, « Elé Am Bené Israël, voici le peuple des enfants d'Israël. » Il ne dit pas « Elé Bené Israël ». Il dit Am Bene Israël. Vous savez ce que c'est être un. Je ne sais pas dans les autres langues, je n'ai pas été faire Mazé people, Mazé peuple, etc. Mais en hébreu, comment vous dites un peuple? Je viens de vous le dire, ce n'est pas difficile. Am, Nahon. Mais Am, vous pouvez lui mettre une autre voyelle et il devient Im. Ça veut dire que pour être un peuple ne peut être qu'avec ceux qui le composent et qui sont ensemble pour le composer. C'est extraordinaire, l'hébreu. Extraordinaire. Et donc le peuple d'Israël, on lui donne sa première mitzvah, c'est Rosh Chodesh. Alors qu'est-ce qu'on a à faire de Bereshit jusqu'à Parashat Bo, 26 générations, pour nous raconter les amours d'Abraham avec Sarah, Yaakov avec deux jolies filles d'Aramie, etc. Yitzhak qui a l'air un peu baba, on lui amène une femme à domicile, etc. Il amène dans la tente de sa femme, de sa mère, il se met à l'aimer, la Sigmund Freud, il s'est régalé. Le père de la psychanalyse, en voyant les agissements d'Yitzhak. Tagili, tu veux nous donner un livre de loi? Donne un livre de loi. Halas! Ne gonfle pas la tête avec les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lavan, et Rachel, et Rivka, et Léa, et Sarah, Marpatano. Un peu de prologue, ça fait pas de mal. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce prologue-là? C'est le Sefer Hayasha, Bereshit. Tout à l'heure, j'ai demandé à notre ami de me servir un verre d'eau. Mais il a fallu que je lui tende un verre pour qu'il me verse l'eau. Voilà, vous avez tout compris. S'il n'y avait pas le Sefer Bereshit, vous auriez pu verser jusqu'à demain, ou même jusqu'à après-demain. Et même si je lui tends ce verre, si le Sefer Bereshit est Sefer Hayashar, le livre de la droiture, c'est-à-dire qu'il est le livre, comme dit le natif de Volodyn, Rav Tzvi Yehuda Berlin, dans sa préface sur son livre, son œuvre qui s'appelle Emek Hadava, il dit c'est le livre de la droiture à tel point que Bilam, au moment de mourir, il dira Tamot Nafshi Mot Yesharim. Que je meurs de la mort des gens droits. Et le natif, il demande, et pourquoi tu n'as pas dit « mot sadikim, mot chassidim » Parce qu'il ne peut pas y avoir de chassidim ou de tzadikim s'il n'y a pas de yesharim. C'est-à-dire que le livre de Bereshit, je vais résumer, c'est le contenant. Et tout ce qui va venir à partir de la parashat Bo, c'est le contenu. Et remarquez que mon livre, j'ai pas honte de le dire, c'est mon livre, tout le long de l'histoire, tout le monde, Yeshayahu, Yeheskel, Yirmiyahu, Zecharia, Malachi, Haggai, Yoel, tous, sans exception, j'ai même pas à réfléchir.
Ils ont un leitmotiv. Emet ou Mishpat, Shalom ve'ahava. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la morale, qui sont les vertus avec lesquelles nous allons agir dans ce monde, est conséquente d'une éthique nationale. Israël n'est pas à tel point que, dans la Mishnah, on te dira « Si, bnei Israël, rachmanim, baishanim, begomne, chassadim. » Ils sont rachmanim, miséricordieux, pudiques et pleins d'amour. La Mishnah vient et te dit « Si tu vois quelqu'un qui est cruel, interroge-toi sur le fait qu'il n'est peut-être pas descendant de Avraham. » Parce qu'un véritable descendant d'Avraham, dans la lignée Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est un homme qui est miséricordieux dans l'essence de son être. C'est-à-dire, dans l'essence de son être. Et quelquefois, d'ailleurs, nous sommes tellement miséricordieux que cette miséricorde est exacerbée à tel point que nous sommes prêts à aller embrasser nos ennemis. Mais ça vient de l'origine du programme qui a été gravé sur la disquette originelle de l'âme d'Israël. C'est-à-dire, maintenant, quand il pose cette question, Rashi, quelle réponse il donne? Il dit, rappelez-vous que le début de Bereshit, Rashi dit, bon, je ne lis pas, je vous le fais vite, vous le lire, il dit, Rashi dit, un jour viendra où les nations du monde diront, les Juifs, vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre d'Israël. Hein? Vous avez volé la terre des sept peuples, il dit. Et alors, vous leur répondrez, dit Rashi, tu leur diras que moi je suis le créateur de cette terre, parmi cette terre j'ai choisi une terre. C'est d'ailleurs David Améler dans les Tehillim qui le dit, il se sert, Kohar Ma'asa Vikid Le'amo, la Tetlaem Nahalat Goyim, de vous donner une terre, une partie, une parcelle de terre que j'ai créée. Par ma volonté je vous l'ai donnée, par ma volonté je vous l'ai reprise, par ma volonté je vous la redonnerai. Mais sachez que cette terre, oui, elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui vous la donne, et non seulement je vous la donne, mais quand vient la sortie d'Égypte, et que Yoshua, l'élève de Moshe, nous fera rentrer en Eretz Israël, Zebe Milchama, parce que nous avons proposé aux nations, vous voulez être sous le joug de la constitution d'Israël, Fabdal, tu peux rester. Vous voulez partir, Fabdal, vous pouvez partir, il y en a un qui s'en va sur les sept. Et si vous ne voulez pas être sous le joug d'Israël et vous ne voulez pas partir, alors c'est la guerre. Ça s'appelle en sciences politiques casus belli. C'est une cause de belligérance. Alors Rashi dit, alors qu'est-ce que vous voyez? Rashi ne se réfère pas à la création des astres, du soleil, de la lune, des eaux, des machins. Tout ce qu'il a trouvé Rashi à venir nous parler, c'est de Bereshit relié à la problématique de la propriété de la terre d'Israël. Et le Tanakh se termine par un goy qui vient me dire, celui qui se considère comme l'enfant de l'Éternel, alors l'Éternel le considérera comme son enfant, mais Tachlès, concrètement, va y aller, qu'il monte. Vous avez vu le point de départ, le point d'arrivée? Vous pouvez construire votre itinéraire. Raison pour laquelle, des années plus tard, lorsque Rabbi Zera voudra quitter son maître Rabbi Yehuda et franchir le Jourdain, il n'attendra pas l'embarcadère, il ira à la nage, à tel point que l'embarcadeur dira « Meshigene les Juifs, ils ont une barque, ils n'attendent pas la barque, ils traversent à la nage. » Et Rabbi Zera de lui dire « Si Moshe n'a pas pu rentrer, est-ce que moi je vais attendre que la barque arrive lorsque je suis assuré de vouloir partir et traverser le Jourdain pour rentrer à la maison ?» Même à la nage, j'y vais. Et Resh Lakish, Rabbi Shimon Ben Lakish, il attend de l'autre côté. Et il lui dit, il y a le souhait de Rabbi Zera, en anglais. Il lui dit, il y a le souhait de Rabbi Zera. Et il lui dit, ah bon, et pourquoi tu me dis, il y a le souhait? Et il dit, parce que si toi et tes compatriotes, vous étiez montés quand il fallait monter, avec Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, Yoshua, Haggai, Melachi, Zacharia, les portes de bois du temple, nous aurions pu les construire comme des portes de fer, et jamais les flammes ne seraient venues lécher l'édifice de notre construction.
Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Zera à la suite de ça? Il s'assoit par terre et pendant 40 jours et 40 nuits, il va jeûner. Et quand la vieille qui passe par là lui demande « Rabbi Zera et Misked, Macharabni », il dit « Je jeûne ». Il dit « Pourquoi tu jeûnes ?» Alesh. Alors il lui dit « Pour oublier le Talmud de Babylone. » Oublier le Talmud de Babylone. Chouette, pourquoi tu veux oublier le Talmud de Babylone? Il dit « Parce que tout le Talmud de Babylone est un Talmud qui est venu, à juste titre, essayer de nous donner, de discuter, de nous faire entendre sur les lois de l'individualité. » Vous savez qu'il y a deux Talmuds, Yerushalmi et Babli. Le Yerushalmi s'occupe beaucoup des lois collectives, et le Babylone, d'où viendra le Shulchan Aruch, des lois individuelles. Mais la finalité, si on devient dans quelques mois, dans quelques, même pas un an, deux ans, on va redevenir la majorité du peuple juif est en Eretz Israël. Si les rabbins, ils relisent le Sefer Bereshit pour trouver la morale et l'éthique, ils vont devoir s'asseoir tous ensemble pour réfléchir sur une nouvelle constitution que nous n'avons jamais connue depuis 2000 ans. Parce que nous n'avons jamais depuis 2000 ans été un peuple de nouveau réuni et souverain sur sa terre. Et Rabbi Zera jeûne parce qu'il dit, il veut pas, c'est une métaphore, une image pour lui de dire je veux oublier le Talmud de Babylone. Je veux oublier cette dimension individuelle de la traitance du sujet. Je veux refaire partie de mon peuple. Bien fait. Quand tu dis je monte en Israël, c'est pas je vais en Israël, je vais me poser dans un trois pièces cuisine salle de bain, acheter ma Mazda 3 et aller faire mes courses à Mahane Yehuda, Jérusalem, ou je sais pas où, Ashkelon, comment ça s'appelle. Non. Je viens pour faire partie de mon peuple. Personne t'oblige. Moi, dans mes élèves, et quand je m'occupais pendant 23 ans, j'ai fait les allers-retours pour enseigner le Tanakh et les études juives en Khoutz Laaretz, et j'ai ramené dans les groupes que je formais d'étudiants, j'ai ramené des goyotes, mais qui sont venus se mettre à genoux, pleurer, supplier. Et moi j'étais assis en face et je lui dis, mais il y a un wagon de l'autre côté des rails. Il y a ton mari qui a été pris parce que lui il est juif. Et l'officier SS il t'arrête, il te dit, Madame Tartampion, vous n'êtes pas obligé de traverser le quai pour monter dans le train. Tu traverses. Alors elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit oui, je traverse. Aujourd'hui elle est mariée, elle est d'Atia, elle a 4 enfants, elle habite Natania. J'en ai une autre qui m'a appelé, qui était de la Martinique. Elle m'a supplié, je ne la connaissais même pas, au téléphone. Vous en supplie, Arbacry, je vous en supplie à venir. Je dis, mais où vous venez? Vous venez pour quoi faire? Vous n'êtes pas obligé. Nous, on est obligé de subir. Mais vous, vous n'êtes pas obligé. Elle s'est engagée à vouloir faire partie. Qu'est-ce que dit Ruth à Naomi? Ton peuple sera mon peuple et ta terre et ton Dieu sera mon Dieu. C'est une allégeance. Une allégeance à la conception d'appartenir à un peuple auquel a été offert une terre. Et à ce peuple, une constitution, pour dans la conjugaison entre le peuple et la terre, que cet amour conjugal entre le peuple et la terre puisse donner son fruit. Faites attention que le peuple est masculin et que la terre est féminine. Donc je ne fais pas exprès de parler de conjugaison, bien entendu. Et de fruits. Ce sont les fruits de l'amour du peuple masculin et de la terre féminine. C'est-à-dire. Donc ça, c'est dans Bereshit. Maintenant, je vous passe la 3 et la 4 parce qu'on les a vus ensemble. Et la 5, regardez. Yeshayahu, le prophète Isaïe, au numéro 5. Yeshayahu, c'est des dizaines d'années avant l'histoire qu'on vient de parler maintenant pendant près de 50 minutes. Et Yeshayahu vient et nous dit Ko Amar Adonai, pas Ko Amar Koresh. Ko Amar Adonai, ainsi parle l'Éternel, qui est Adonai, qui est Yudke Vavke,
l'éternel présent dans l'histoire des hommes. Je vous rappelle que certains ont aimé s'amuser avec les termes et que histoire en anglais, en anglo-saxon, c'est history et en latin, c'est historia et que si en hébreu, vous voulez faire des analogies, vous prouvez que c'est Esther Yudke, la face cachée de l'éternel. Hachem Yudke Vavke, c'est l'omniprésence, l'omnipotence de l'éternel dans l'histoire des hommes, mais qui se cache des hommes afin de leur permettre de pouvoir évoluer dans le sens de l'histoire voulue par l'éternel. Ça remet des tas de choses en place dans l'esprit. Et alors il dit quoi, Yeshayahu, quoi, Maradonaï, ainsi par l'éternel, l'imshiro les corrige. Je ne vais même pas lire ce qu'il y a après. Parce que ces deux mots liés l'un à l'autre à son Messie Cyrus. Alors si le mois dernier on a vu qu'une femme elle pouvait comme Dvorah devenir à la tête d'Israël, rendez-vous compte ici, Yeshayahu déclare Cyrus comme Messiah Hashem. Et pourquoi pas? Pas parce qu'il dit Yeshayahu, mais tout simplement pourquoi pas? La Gemara de Sanhedrin, elle vient bien vous dire que la révolution rédemptrice, elle peut venir par le scorpion et le serpent. Mais au moment où Cyrus avait fait sa déclaration, les, comment on les appelle, les bien-pensants, vous disaient, imaginez qu'on est ce soir ensemble, je dis, allons, allons, ça ne veut pas être un Cyrus, enfin, ouais, la tête qu'il a, il n'est pas de chez nous. Comment c'est possible? Enfin, il a dit, c'est quand même... mais non, c'est pas possible, pas possible. Il faut faire très attention. C'est ici que nous avons nombre de réponses. Dans un... Pour finir, je vous raconterai concernant la paracha de Paradouma qui a trait avec nous. Maintenant, ce que je veux vous dire après Yeshayahu, c'est le numéro 6. Et celui-là, on va le lire parce qu'il est hyper important. C'est le Malbim, un commentateur d'Europe centrale au XVIIIe siècle qui commente tout le Nard et qui est à part Ibn Ezra au XVe siècle qui est extraordinaire. Il y a le Malbim au XVIIIe siècle qui est aussi le parallèle de Ben Ezra, d'Ibn Ezra concernant les prophètes et les hagiographes. C'est extraordinaire de lire. Maintenant, Ve'ata simu, simu na levavere. En hébreu, on dit simlev. D'accord ? Vous avez tous appris l'hébreu ? Simlev. Fais attention, fais gaffe. En anglais, be attention. Fais attention en français. Bien fait. Mais ici, ça n'a rien à voir avec fais attention. Lo to be attention. Non, non, fais attention. Sim na leva. Comment il dit? Sim ata simu na leva. Na, c'est une locution de s'il vous plaît. Hein. Na, c'est s'il vous plaît. Pour faire attention, en hébreu, on dit « mais ». Soit ton cœur en bonne place ou soit sur ton cœur. Vous savez pourquoi on dit « ta sim lève, en simu al levavechem » étant donné que le cœur, c'est systole, diastole. C'est donc un moment, il se referme, un moment, il s'ouvre. Donc, vous pouvez toujours y déposer tout ce que vous avez envie. À un moment donné, ça s'ouvrira, ça rentrera. Il n'y a pas de choix, hein. Si vous l'avez posé au moment où c'est en constriction, ça viendra la dilatation et vous pourrez laisser tomber. Maintenant, écoutez ce que le Malbim va dire à partir des propos du prophète. Milvad mashi irtze shiyasimu levavam leitbonen al hanagat Hashem. En dehors du fait que l'Éternel exige que l'on prête attention sur sa direction, sur la direction qu'il ordonne, sheitnaeg imahem yayom azeh veala. Quel processus ici? Le fait de rentrer en Eretz Israël, de reconstruire le temple. Derech Agav, comment on dit Derech Agav en français? À propos, ce que vous entendez du Malbim ici, par rapport à ce que le prophète Haggai a dit, c'est venir confirmer Cyrus a posteriori, puisque Haggai est après la mort de Cyrus, Haggai et Malachi. Et il dit, prêtez attention à ce que l'Éternel a engagé comme processus. Qu'est-ce qu'il a engagé comme processus? De lui reconstruire sa maison à Jérusalem qui est en Judée. Regardez la suite après la virgule. Ramaz gamken. Alors, ce n'est pas suffisant
que vous prêtez attention sur le fait qu'il faille reconstruire sa maison à Jérusalem. Ramaz, il vous a fait sous-entendre, Gimelchav Gamken aussi, chez Yassimu Levavam Be'echal Hashem, qu'ils mettent leur cœur au sein du sanctuaire, chez Ishtadlu, chez Alev Imatse Be'echal Hashem, qu'ils fassent attention à ce que leur cœur se trouve à l'intérieur du sanctuaire. Vous n'avez toujours pas compris, le Malbim en est conscient, il marque Resh Lamed, Rotze Lomar, ce qui veut dire Shelo Yabinyan Veavodat Amikdash, Arpeula Tagouf. Eh, je vous ai demandé de construire le temple, mais il ne faut pas que vous deveniez homme brûlé par les clous, les vis, les bois, les planches, les pierres, etc. Attention, ne faites pas de la construction du temple un culte, un rite, un dogme. Et là, je continue. Rakshéye ma'aseh alev ve'anefesh. Mais que ce soit seulement cette construction, conséquent d'une autre construction qui la précède, qui est Maasé, Alev Véanefesh. Alev, c'est le sentiment, c'est la sensibilité de l'être. Nefesh, c'est pas Neshama. Nefesh, c'est l'âme vitale. Le sang qui s'écoule dans mes artères, c'est Nefesh à Adam. Aussi est-il écrit, Lotishpor Dam à Adam Bedamo. Pourquoi ? Qui Adam ou à Nefesh ? Parce que le sang, c'est l'âme vitale. C'est pas l'âme spirituelle, c'est pas le souffle divin, c'est l'âme vitale. Il avait dit, il faut que l'homme, il mette non seulement son cœur, sa sensibilité, son émotion, ses sentiments, sa vertu, mais il faut qu'il mette aussi sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'il se donne entièrement, qu'il soit celui qui dit ce qu'il pense, qu'il soit celui qui pense ce qu'il dit. En hébreu, Echad bapé, Echad balev. Lo Echad bapé, velo Echad balev. Malheureusement, chez les humains, c'est souvent que nous rencontrons des gens qui ne disent pas toujours ce qu'ils pensent et qui ne pensent pas toujours ce qu'ils disent. Et bien là, ils vous demandent de penser ce que vous dites et de dire ce que vous pensez. Avant de construire, parce que si tu es un ouvrier, un constructeur de mon sanctuaire, alors que tu es falsifié, Manasseh, c'est certain que tu vas falsifier mon édifice. Alors en hébreu, on ne dit pas falsifier. Vous allez voir ce qu'il dit. Vous voyez, avant que vous mettiez une pierre vers une autre pierre, les konen abinyan, préparez l'édifice, tassimu levafrem be'echal Hashem, mettez votre cœur dans l'enceinte du sanctuaire. Ki binyan avanim, et là il termine en apothéose. Ki binyan avanim, la construction de l'édifice par les pierres qui le construisent. Bélo alev, sans cœur, lo yebo gdusha. Il n'y aura pas de sainteté. Il n'y aura pas de gdusha. Je veux que les choses soient claires. Surtout quand nous, vous et moi, on n'a pas étudié le Tanakh depuis notre enfance. Et la réponse, elle est ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni dans le Zohar, ni dans la Halakha. Elle est là et seulement là. Et si nous sommes dans la situation où nous sommes, hier et encore aujourd'hui, c'est parce que on a jeté aux oubliettes le livre de l'Éternel. Et qu'on est en train d'étudier du matin au soir le livre que les hommes ont écrit. Même s'ils sont inspirés, c'est le livre des hommes. Celui-ci, c'est le livre de l'Éternel. Que ça vous plaise ou non, d'ailleurs. C'est ainsi. Et à tel point que les prophètes, tout au long de l'histoire, Yirmiyahou, la veille de la destruction du temple,
Nabuchadnezzar ne lui fera rien à Yirmiyahu. Vous savez pourquoi? Parce que Yirmiyahu, depuis le début, dit à Tzidkiyahu, « Khalas amener à votre majesté. Rendez-vous, c'est perdu. » C'est tellement perdu que Nabuchadnezzar, le 8 au soir, avant le 9 et le 10 av, il aura un songe où l'Éternel lui apparaîtra et lui dira, « Ne pense pas que tu vas détruire ma maison, tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà consumées. » Vous le saviez? Tu ne feras que brûler des pierres, que brûler des pierres qui sont déjà consumées. Qui les a consumées? Les hommes. Les hommes. Quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes. On me dit, ben alors, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat, ils n'ont pas fait Khala, ils n'ont pas fait Nida, ils n'ont pas fait de la Kataner. Pas du tout! Pas du tout! Ils étaient capables d'avoir des rapports incestueux. Ils étaient capables de tuer leur prochain. Et ils étaient capables de servir des dieux étrangers, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous avec des dieux étrangers, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des rendez-vous avec eux-mêmes. Ça relève de quoi ce que je viens de vous dire? De la halakha ou de l'éthique et de la morale de la halakha? Je n'ai confiance. Mon fils aîné, il est prof, il est rav, il était chaliar de Chabad. Bémet, rav, je respecte, même si je ne suis pas d'accord avec sa philosophie chassidique. Il y a des choses qui sont bien, mais des choses qui ne me plaisent pas. Mais lorsqu'il m'a présenté sa femme, lorsque mes trois filles m'ont présenté leur mari, j'ai quatre enfants mariés, je n'ai jamais demandé ni à Dror, ni à Alon, avec leur manteau et leur chapeau et leur pailleuse, je ne me suis jamais intéressé. On leur a dit qui était leur beau-père. Il fallait faire gaffe parce qu'il a une grande gueule, etc. Et des fois, il fait peur quand il parle. Mais c'est un danger. Faites attention. Alors, ils sont venus. De quoi j'ai parlé avec eux? J'ai parlé d'une question de halakha, de sugiya, des misémaniennes. J'ai regardé comment ils se conduisaient. Parce que mes filles, j'allais les donner non pas à un avoir de connaissances, mais à un être qui devait vivre. Yaba Barbe, si seulement nos ancêtres ils pouvaient se réveiller, je parle de nos ancêtres d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de Ribbono chez la Olam? Quand je lis les déclarations, les tchouvots du Ribbash et du Rajbash et du Rajbat, je vous parle 13e, 14e, 15e siècle. Mais où on est? Mais où on est à côté de nos pompes? Tout ça parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Mais si quelqu'un se trompe, je ne suis pas obligé de le suivre. Nous, on mange des fèves et des petits pois. Et s'il peut me dire jusqu'à demain qu'il ne mange pas de fèves et de petits pois, qu'il aille chez sa mère. Nous, on mange des pois, des petits pois et des fèves. Et on a suffisamment de chachamim qui nous ont autorisé à manger. Ma femme, elle est la petite fille du Hav Beldin de Constantine Varashimon Duchan, Zecher Sadik Livracha. Il y en a un, il est venu, il a dit, Chantal, Pnina, la galette d'Agen, là, c'est la ronde. Oui. Ma femme, chaque année, elle a fait venir de France, parce qu'il faut qu'elle fasse leur mot. Je ne connaissais pas, moi. J'ai appris. Kaela, Armour, enfin tout le travail. Alors, hein? C'est très constant. Non, mais c'est ma femme. Hein. Oui, bah alors elle, c'est une obsédée, elle. C'est pareil. Moi, je l'ai traitée, hein, pathologique. Hein. Alors, elle a rencontré quelqu'un, je ne sais pas, Plonia Almonio, je ne donne pas de nom, et il lui dit, ah, madame Akri, ça c'est... Elle lui dit, mon grand-père, mon arrière-grand-père, pardon, il mangeait cette galette. J'ai toute confiance. Et quand elle habitait Vitry-sur-Seine, la banlieue parisienne, et qu'un rabbin était venu leur dire pour Shruya, Velo Shruya, Vétrin, elle dit, mais mon grand-père, il n'y avait pas de Shruya ou Lo Shruya, c'est quoi ça? Il a pris à part et il a dit, oui, mais pour le public, nous sommes obligés de mettre en garde. Mais arrêtez de mettre des barrières là où il n'y a pas de barrières. Vous allez apprendre aux gens à récurer les marmites au lieu de récurer leur cœur. Vous êtes des malades. Vous n'avez pas étudié le Tana. Mais n'en faites pas une avéra par la suite. Allez récurer des marmites. Oh, achlet bébé. Même récurer la marmite. Bien sûr qu'il faut qu'elle soit cachée la marmite.
Mais c'est pas ça le principal. Et tu vois tout le monde, le nettoyage de printemps, et toi tu es nettoyé, non moi tu es dégueulasse. Et à table, on a des marmites propres avec des gens dégueulasses. Voilà. Non, j'exagère. Mais je dis ce qui est. Et tous les prophètes, j'ai beau lire et relire, c'est-à-dire j'enseigne de ces pères sauvetimes dans quatre facs, de filles religieuses, elles ont tout un cursus religieux. Et on va parler tout le monde toute la journée, qu'est-ce qu'il y a marqué là, qu'est-ce qu'il y a marqué là, ça rien du tout. Moi, jusqu'à 25 ans, je ne savais même pas que vous existiez. Et je leur pose des questions, ils ne savent pas. On termine avec ce que je voulais vous dire, parce que sinon ma femme, elle va me... à la mitraillette, elle va me finir. Elle a... et j'aurais pas le droit aux hormones, sinon. J'ai dit, moi je mange pas d'épinards. Elle m'a dit, good, good, c'est des blés. J'ai dit, comment ça s'appelle ton truc vert là? Elle m'a dit, Pkaïla. J'ai dit, oh, des barbares. Tunisien, ça. Non, les Constantinois. Elle, elle a une théorie. Les Tunisiens, c'est liquide. Les Constantinois, c'est consistant. Eh, moi je connais par cœur, j'ai appris. Hein. J'ai fait des études. Donc venez, je termine avec ça avant que je me trucide. Il y a ici, dans les propos de l'ensemble des prophètes, Haggai, Malachi, Zecharia, dans le retour, le fait que tous les prophètes vont venir, les trois que je vous ai décrits, mais ensuite Ezra et Néhémia, et soit à l'époque de Zerubbabel Yoshua, soit les descendants de Zerubbabel Yoshua pour le pouvoir temporel, politique, et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le sacerdoce du temple, tous les prophètes vont les condamner. Sur quoi vont-ils les condamner? Exactement. Sur quoi Yirmiyahou, avant la chute du temple, en 586, il leur dit, « Comment osez-vous, trop cuidant que vous êtes, amener des sacrifices à l'Éternel, ayant refusé pour vous-même de vous y sacrifier ?» Les Hirutzpah. D'être un voleur qui amène le sacrifice. D'être un menteur qui amène le sacrifice. D'être un malandrin. Incroyable. Et il leur dit, l'avenir d'Israël, elle passe d'abord et avant tout par la construction des contenants. Mais si ce verre, je lui fais un trou, j'ai volé. Je lui fais un trou, je l'ai trompé à ma femme. Je lui fais un trou, j'ai frappé mon voisin. Je lui fais un autre trou, j'ai menti. J'ai beau y verser tout ce que je voudrais, tout s'écoulera. Ils viennent et leur disent, le temple, c'est la construction de la Kdoucha. Para Adouma, qu'on a lu ce Shabbat, c'est pour les Taher et Tatamé, purifier l'impurifié. Je ne vais pas vous poser la question. Sachez que toutes mes étudiantes, elles ont toutes fait Bet Yaakov, Bet Machin, Bet Bidule, Bet Truc, elles ne connaissent rien du tout. Routz mi Moussar, Alakha et trois conneries par-ci par-là, elles ne connaissent rien du tout. C'est clair, je suis catégorique avec elles. Je les envoie balader avec perte des fracas, moi. Alors je leur demande la question de cette semaine. Mesdemoiselles, et dans les quatre endroits, hein, mesdemoiselles, qu'est-ce que c'est Touma? Deux points. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est Touma? Ne me dites pas, Touma, c'est ce qui n'est pas pur. Ça, j'ai compris. Je vous demande une définition de la Touma. Un manque? Il y a fait, mais oh, d'où elle sort? Je ne vois pas. Non, les... C'est ta fille? Non, c'est la mienne, s'il te plaît. Comme on dira dans un mois et demi, 12 points. C'est exactement ça. Bah, imagine-toi que tu es dans les pourcentages infimes. La Touma... Oui, mais elle ne sort pas de Bet Yaakov. Attends. La Touma, c'est ce qui est, s'est éloigné de la vie. La Tahara, c'est ce qui se rapproche de la vie. Je vous donne deux exemples. Après, vous faites les parallèles avec ce qu'on a vu. Parce que je ne peux pas tout faire et vous mâchez le papier. L'animal, lorsque je le trouve mort dans les bois, il s'appelle Nevela ou Metame. C'est-à-dire, l'animal trouvé qui est Nevela, c'est un cadavre. Et celui-là, il m'impurifie. Le même animal à qui j'ai fait la shrita, il est mort aussi, ou l'ometame. Pourquoi? Parce qu'il va servir encore à nourrir l'homme, c'est-à-dire à le rapprocher de la vie. La femme, lorsqu'elle a ses règles, l'ovulation, elle est donc fécondable. Si elle n'a pas été fécondée, elle a ses pertes,
Et ces pertes de vie la rendent impure, puisqu'elle perd la vie. Et elle redevient Tehara, Tehora, quand elle est capable d'engendrer, c'est-à-dire d'ovuler et de féconder de nouveau. Zeutuma Vetara. Vous vous approchez de la vie ou vous vous éloignez de la vie. Alze Anirot Sededaber. C'est de cela dont il est question. Vous construisez mon sanctuaire. Mais pour construire mon sanctuaire et lui donner une viabilité à mon sanctuaire, il faut que vous soyez proche de la vie, pas loin de la vie. Parce que sinon, ce sont des morts vivants qui vont construire mon sanctuaire. Et moi, je veux des vivants viables qui construisent mon temple et mon sanctuaire. C'est... On n'a pas tout fait, mais on a fait presque une heure et quart. Vous avez des questions, Vakasha? Oui. Le Nevela. Cadavre. Cadavre. Ouais, c'est un cadavre. C'est l'animal qu'on trouve mort dans les champs, etc. Nevela. J'espère que ça vous a intéressé. Tu peux arrêter ça. Et vous pouvez.